ici Lee Jordan, je serai votre commentateur aujourd'hui. Ce match verra s'affronter les Gryffondors et les Serpentards. Le terrain de Quidditch compte 3 buts à ses deux extrémités. Les poursuiveurs lancent le swap et essaient de le faire passer à travers les cercles d'or pour marquer. Pour corser le jeu, il y a deux redoutables cognards. Il s'agit de balles ensorcelées qui peuvent facilement désarçonner un joueur de son balai. D'où l'importance des deux bat-deux-bat-deux-bat-tip dont le rôle est d'éloigner les cognards de leur coéquipier. Le nouvel attrapeur de l'équipe des Harry. C'est à lui que revient la rude tâche de s'emparer du vif d'or. Jordan, vous devez rester neutre. Excusez-moi, professeur. En résumé, l'attrapeur doit éviter les cognards, repérer le vif d'or puis s'en emparer. La victoire revient à l'équipe qui s'en empare la première. Que le meilleur gagne! Debout! Et les leur poser, leur poser. Ah oui, chaque fois qu'on fait du. Maintenant, place au Quidditch! Oui. Ah oui, voilà. Ok. Bon. Bonjour à toutes et à tous. C'est Miss Olfi, on se retrouve aujourd'hui. Sur la suite de ce jeu-là. Oh putain, il en peut plus. Il en peut plus. Alors ici, c'est un peu... Voilà, c'est ça. Le château en arrière-plan qui est pixelisé à mort aussi. Mais j'ai jamais compris à quel point... Enfin, j'ai jamais compris pourquoi... Dans le film, en fait, la VF pour Lee Jordan... Harry Potter, le plus jeune attrapeur de l'histoire de Poudlard, avait remporté le match de Quidditch. Encore toutes mes félicitations pour ta victoire au match de Quidditch contre Serpentard. Tu as été fantastique. Il y a quelque chose qui m'embête, Harry. Ron et moi, on a entendu de drôles de bruits provenant du couloir interdit. Rends-toi au deuxième étage et va donc y jeter un coup d'œil. Ouais, donc je disais, j'ai été un peu interrompu, c'était un peu le bordel. Voilà, ça s'est un peu passé. Déjà, c'est vraiment dommage que, avec les âges qui passent, ah, c'est marrant parce qu'on est en première année et tout ça, on est... plus sérieusement, je disais, j'essayais de dire plusieurs trucs en même temps, en plus ça fait un moment que j'ai plus record, donc je suis peut-être un petit peu rouillé entre temps au niveau commentary. Je rappelle que c'est très difficile de commenter et de jouer en même temps, donc oui, voilà. Donc j'essayais globalement de dire que oui, je trouvais que Lee Jordan était... Mais en fait, enfin... Bon. Pose-toi, voilà. Dans le film Harry Potter, Lee Jordan est doublé par une meuf. Le deuxième étage se trouve juste en haut des escaliers. Enfin, hier c'était comme ça en tout cas. Cool. Mais oui, du coup, voilà, je sais pas, les gens pensaient que c'était une meuf, du coup, c'est une meuf qu'on a. Ici, note pour plus tard. Belle journée, tu ne trouves pas ? Non. Mais voilà, il y a ça. Également, c'est dommage que forcément avec le jeu qui est vieilli, les voix étaient un peu coupées et que c'est vraiment le bordel quand il y a du Quidditch. Et enfin, le dernier truc que je voulais dire... c'est que j'ai jamais compris comment fonctionnait le système de match de Quidditch. Parce que encore, tu vois, t'as des espèces d'anneaux comme ça qui se font derrière le vif d'or, mais tu t'en bats les steaks du vif d'or. Tu peux très bien finir le match en 2 secondes, juste si tu fonces sur le vif d'or comme il faut, quoi. Tiens donc. Nos deux rouquins préférés, qu'est-ce qui manigance? Alors par contre, je pense que je peux tranquillement me balader dans la zone, y a pas de souci. De toute façon, la zone qui... Putain... Je sais que c'est 2001, mais...
L'éclairage est magnifique, quoi. Et encore, il y a un passage plus loin qui est encore bien mieux, quoi, sans déconner. Je vais voir là après. C'est le dernier défi, en fait, est vraiment magnifique. Voilà, on va jamais dans ces salles-là, sans déconner. C'est vraiment des salles de remplissage ici, hein, globalement. Genre, sérieusement? Ah oui, merde. Attends. Ramène-le en bas. Voilà. Et je fais cracher. Est-ce que j'ai fait cracher? Ah non! Ah mince! Les dragées sont en dessous. J'ai activé ce truc-là trop vite. Du coup, les dragées sont en train de bloquer l'ascenseur. Mince! Ah, c'est con! Une question quand même. Est-ce qu'il y a moyen de se glisser dans l'interstice ou quoi? Non, je pense qu'ils ont justement prévu le coup. J'ai cassé, je suis désolé. On aurait entendu si c'était une carte des sorcières et sorcières célèbres, hein, mais... Enfin, il me semble, ou alors c'est dans le 2 qu'elles font ce sentiment comme ça au niveau sonore. C'est pas grave, on a perdu des dragées. Parce que j'ai cassé le jeu. c'est pas grave, ça arrive, hein. Alors, je vais vite faire un tour. Ça me paraît suspect quand même comme endroit ici. Mais c'est peut-être juste du remplissage pour du remplissage. Mais ça sert à quoi ça, sans déconner? Bon, ben voilà, il y a un secret là et on a tout cassé. Non, c'est pas normal qu'il y ait ça. Je suis sûr qu'il y a. Ah! Voilà! Ouais, le pire c'est que c'était sans doute deux dragées à la con, quoi, donc j'ai pas dû louper grand chose, mais... Ou alors j'ai vraiment loupé une carte, ça ferait mal quand même. Bref. Voilà. J'ai vu le livre de sauvegarde, vous en faites pas. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah oui, juste, c'est cette salle-là. Une salle infestée de gnomes. Je crois que je les ai tous eus. Oui, je les ai tous eus. Et je pense en plus, la récompense, c'est vraiment rien. Ah si, quand même. Quand même. Bon, ben voilà. Ça a servi à quelque chose. Nickel. Bon, continuons. Retournons sur nos pas. Voilà, c'est par là qu'on doit aller. Alors, ici, c'est de là que viennent Fred et George. Enfin, c'est ça, c'est là où on a vu Fred et George, oui. Ok. J'ignore complètement les gens qui sont en train de me parler, j'en ai rien à foutre. Ah, je vais même carrément les ignorer au montage, quoi. Donc vous aurez le texte en tout petit, et puis merde. Non, je suis gentil, allez. C'était quoi ça? Déjà trouvé les 25 dragées? C'était quoi ce fly qu'il a fait, Harry? Putain! Sans déconner! Merci, Harry. On en avait vraiment besoin. C'est pour une petite blague qu'on veut faire au Serpentard. Ah! Tiens. Voici une carte des sorcières et sorciers célèbres. Tu l'as bien mérité. Allez, viens, George. On a du pain sur la planche. et maintenant, on sait que maintenant c'est pour une petite blague qu'ils veulent faire au Serpentard. Voilà, merci la carte. Alors oui, vous m'avez dit, ah peut-être que la carte se trouve à tel endroit dans les commentaires. Je ne nie pas que c'est une possibilité que j'ai peut-être passé effectivement. Je vous avoue que au final, je m'en fous un peu en fait.
Voilà. J'ai rien d'autre à dire, désolé. Hop. Alors ici, il y a quoi? Parce que le problème que j'ai avec ce jeu, c'est que... Voilà, parfois, le jeu nous récompense d'avoir trouvé un truc avec... 2 dragées, 4 dragées, grand max. C'est un peu frustrant. Voilà. Donc, oui, voilà, je fais un peu ceux dont je me souviens ou ceux que je vois, qui me semblent évidents. Mais sinon, ouais, je vais pas non plus m'attarder à mordre dessus, hein. Je t'ai vu, hein. C'est toi qui as cassé le vase encore, hein. Hein. Hé, hey, t'es un Gryffondor, toi, hein. Ouais, bah ça peut pas être pire qu'un Serpentard, j'imagine. Rectus Impra. Pardon. Allô, Mora. Ok, 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 ok. Nickel. Ok. Y'a rien là au-dessus. Non, y'a rien là au-dessus. Ah, attends, comment ça Flipendo? T'as fait Flipendo? Ah, ça a peut-être bugué du Flipendo de là-bas, je sais. Ouais, ça a dû bugger de là. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah écoutez, on va... Bah là où il faut aller du coup. Donc à droite... Et... Pourquoi la musique s'est arrêtée d'un coup? Belle journée, tu ne trouves pas? Non. En plus, il est minuit 8, hein, au moment où j'écris... Où j'écris. Oui, je suis en train d'écrire, ça se voit, non? Mais en à l'heure actuelle, hein, là où je suis en train de jouer, donc... Ouais. Ah, mais j'oublie les vases, le plus important. Il y avait rien dedans. Je suis en train de me demander aussi si... Peut-être que ça bug avec le framerate, hein, on sait jamais. écoute, j'ai déjà bien réussi à faire bugger un truc, donc merde. Merde, mais je me suis perdu, attends. Attends, non, ça c'est... Attends. Là, c'est... Bah oui, non, c'est par là, attends. On va faire le tour, parce que en faisant le tour comme ça, je sais qu'on y tombe. Donc, on va faire le tour comme ça, oui, ça c'est là où il y avait le secret, machin. Là, c'est là où il y avait la carte au trésor. Et voilà, c'est par là. Je t'ai vite fait un œil là, mais je pense que... Ouais, non, donc en fait, c'était le bon chemin, je suis vraiment débile, putain. Raconte, alors. Tu as vraiment une cicatrice en forme d'éclair sur le front. Mais tu vas la faire... Putain. Aux dernières nouvelles, le deuxième étage se trouvait en haut de ces escaliers. Mais si tu me donnes les dernières nouvelles, c'est que c'est bien. Mais écoute, j'y vais tout de suite. Ça me défonce la voix de faire ça. Non, ça me défonce pas la voix, mais c'est pas naturel, ça c'est clair. Sortir du couloir interdit. Il boite drôlement. Viens, Harry. Jetons un coup d'œil avant que Ruzard ne repointe son nez par ici. T'entends ces grognements? J'ai l'impression qu'il y a un truc horrible dans le couloir. Tu m'en parleras en chemin, ou on va être en retard au cours de défense contre les forces du mal. Aujourd'hui, nous allons apprendre à illuminer l'art de la magie noire grâce au maléfice de Lumos. Regardez ma baguette. Ensuite, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et reproduisez le modèle. Relâchez le bouton lorsque vous avez terminé. Vos gueules en arrière-plan, putain. Sans déconner. Ce manque de respect, quoi. Vous pouvez retourner au premier épisode. Il faisait pas ce bruit-là, d'habitude, hein.
Une prestation éblouissante, Monsieur Potter. J'accorde 5 points à Gryffondor. Mais Voguer en arrière-plan. Plus rapide, Monsieur Potter. Mais Voguer en arrière-plan, sans déconner, quoi. Curel, fais-toi respecter un petit peu. Presque parfait. La maison qui a totalisé le plus de points à la fin de l'année remporte la coupe des 4 maisons. Mais on y J'accorde est à la fin. J'accorde 10 points à Gryffondor. Soyez un peu plus rapide, Monsieur Potter. Mais on y est à la fin. Et puis j'ai au moins 400 000 points, là. Plus ces 3 millions que Dumbledore va me donner, c'est bon, on y est, là, hein. Parfait. Remarquable, Monsieur Potter. Un maléfice remarquable. J'accorde 15 points à Gryffondor. Encore une fois, Monsieur Potter, voyons ce dont vous êtes capable. Alors, il faut que je refasse celui que je viens de faire, c'est déjà foiré, putain de merde. Saloperie de putain de pute. Allez. Voilà. Je suis pas sûr que... Si ! Oui ! Putain, oui ! Bravo, Monsieur Potter. J'accorde 20 points à Gryffondor. Tiens, dab dans ta gueule, Malfoy. Enfin, pardon, Malfoy. L'exercice de Lumos va vous permettre de mettre en application ce maléfice. Suivez-moi. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé pour déterminer votre cible. Pour lancer un Lumos, relâchez le bouton. Entraînez-vous sur cette gargouille. Bienvenue dans le dernier et le meilleur de tous les défis de Harry Potter 1. Bon, alors oui, faut revoir le truc en 2001, mais... Déjà, visuellement, c'est magnifique. Le jeu sur les lumières, surtout dans un truc qui apprend le Lumos, c'est important. C'est magnifique. Lumos ! C'est assez brillant, n'est-ce pas ? À présent, vous pouvez traverser le gouffre et partir à la recherche des étoiles. Je vous retrouverai en fin de parcours. Vraiment, même d'un point de vue game design... Oui, parce que bon, forcément, on parle de jeux vidéo, oui, mais je contente généralement pas que d'y jouer. En termes de game design, je trouve ce niveau magnifique. Il y a juste un point, c'est que... Et ça, c'est les gens l'oublient. C'est que derrière ces bougies en 2D... bon, je rappelle que le jeu est censé être en... 640 x 480, donc c'est à peu près comme ça normalement. Voilà. Bien sûr, putain, la musique. Je pense que c'est un bug par contre, la musique, mais ça rend tellement bien plus oppressant. Enfin bon. Mais ouais, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Sans déconner, le contraste entre. Les vitraux et les bougies, puis après les vitraux et les gargouilles, c'est génial, sans déconner. Vraiment, comme beaucoup, je suis tombé amoureuse de ce défi, en fait, tout simplement, parce que c'est beau. Mais oui, c'est beau, c'est tout. Allô, Morin. Ok. Je ne pense pas que... Non, ici, non, bien sûr que non. Non plus.
Vraiment, je ne dirais jamais assez de faire gaffe, voilà, à ce genre de porte, exactement. Parce que ça n'a pas l'air, mais si, c'est une porte, c'est une porte. Et beaucoup de gens dans ce niveau ont tendance à louper une étoile qui est cachée justement derrière une porte ainsi. Et le pire, c'est que tu vois l'étoile, hein, mais si tu sais pas qu'il faut passer par ce point-là, par un des trucs comme ça, tu ne loupes jamais... Enfin, tu loupes complètement l'étoile, quoi. C'est... Donc tu la vois et c'est presque frustrant, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que... Si j'y arrive, hein, parce que c'est possible que j'ouvre le truc comme ça par automatisme. Si j'y arrive, je vais essayer de vous montrer l'étoile derrière la grille avant de... Avant de d'aller la ramasser. Sinon au pire... oups, voilà. Sinon au pire, ce que je ferais, c'est vraiment bêtement... oui, voilà, j'ouvrirai... voilà, je ferais... Ah oui, c'est cette étoile. Du coup, je ferai le tour pour vous montrer et puis j'irai la récupérer, quoi. Vraiment, gardez-moi ça. Sans déconner. Ah non, je suis désolé. Oui, je m'arrête aussi parce que... Avec les moyens de l'époque, bon, c'est clair que quand on regarde un petit peu avec des yeux actuels, c'est vachement polygonal. C'est, Poudlard, il y a un peu que 30 étudiants grand max dedans. Voilà. Mais il y a quand même des... On faisait avec ce qu'on avait, quoi, à l'époque, quoi, vraiment. Et ça rend bien. Ça rend bien. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. J'aurais dû faire faire un backup de ma sauvegarde. Juste pour rejouer ce niveau. Alors bien sûr, toujours vérifier derrière ces machins là. En espérant ne pas faire trop bugger le truc. Putain, regarde la gargouille que tu vois derrière la grille là. Tout un jeu de lumière et tout, hein. Et là, tout d'un coup, elle est allumée. Il y a un truc que je trouve dommage avec le Lumos, c'est... Enfin, le Lumos. Oui, parce que normalement, c'est Lumos, mais... Dans le 2, en tout cas, il me semble que Harry Potter dit... Lumos. le point négatif vraiment, c'est que les plateformes, du coup, leurs contours sont pas définis. Du coup, j'ai toujours un peu peur de foirer la plateforme, en fait. Mais ça rend bien, hein, mais c'est comme c'est pas très défini, en fait, tu sais pas où s'arrête le bord de la plateforme, quoi. C'est un peu dommage. Je me demande si c'est pas... Si, je vais vous montrer, C'est justement cette étoile-là dont je vous parlais. Elle est pute, hein. Elle est pute. Voilà, Lumos. Ces bugs sont vraiment dommages. Mais vraiment, il y a ce côté un petit peu oppressant, comme ça, sans la musique. Je pense que vraiment, le fait qu'il n'y ait pas de musique, c'est un bug. Mais ouais... Voilà. Tu vois d'ailleurs, à cause du framerate assez haut, que oui, effectivement, la plateforme était en haut et tout d'un coup elle s'est allumée et positionnée là, quoi. C'est. Normalement, il y a quelques frames qui sont passés et qui n'auraient pas dû. Voilà, hop, si on avance là. Et que. Bon, on peut éviter le livre de sauvegarde, bien sûr. Vous ne l'avez pas entendu. Voilà, vous pouvez voir que, bah, oui, effectivement, il y a cette étoile-là. Et du coup, bah, beaucoup de gens voient cette étoile et l'ont loupée. Mais c'est parce que, justement,
Je sais ce qui se passe dans cette salle, c'est pour ça que je longe le bord comme pas possible. Merde, j'ai fait la sauvegarde dans le mauvais sens en plus, donc si je me foire, on va avoir l'air bien débile. Hop, voilà. Allez, Harry Potter, on se dépêche un petit peu. Voilà, donc si on fait Flipendo ici, hop, on se retrouve avec le coffre et la fameuse étoile, justement. Voilà. Voilà, donc, bon, maintenant, ici, il y a une étoile au centre. Vous vous doutez bien que, bon, c'est un petit peu suspect, hein. Silence. Silence, Piv. Sérieux? Attends, qu'est-ce qui me genre? Qu'est-ce qui me jette à la gueule? Je sais pas si... J'essaye d'identifier ce qui me jette. C'est des pommes? On va dire que c'est des pommes, hein. Je pense que c'est des pommes. J'espère que c'est des pommes. Ce connard! Il m'a sauté dessus. C'est rare qu'il y a des moments où tu ne prends pas forcément du dégât, hein. Si tu te places à un endroit suffisamment bien, tu peux largement l'éviter. Du coup, j'ai pris masse dégâts ici, mais c'est pas grave. Bah, y a un autre choc-grenouille là, ça tombe bien. Hop, voilà. Là, y avait rien, oui, non. Là non plus. Pourquoi c'est... Pourquoi il s'est fermé? Attends, est-ce que j'ai loupé un truc? Ah oui, bêtement, en fait, oui. Bon, ben j'ai perdu du temps juste pour ça. Fallait juste s'approcher de la porte et elle s'ouvre. Ah, et là, on a le retour de la musique. Enfin, on avait. C'était bien, la musique. Tristesse. Hop. Alors, je suis pas sûr que ce soit par là. Dégage, sale peste. Ok, alors Lumos, oui. Ouh, c'est la question. Ok, très bien. J'ai très bien fait. C'était nickel. Bien. J'en déduis... Ouh, putain. Que j'ai trouvé le sens. Voilà. Putain, c'est son... Ça me rend folle. Vivement le 2. Le 2 est le meilleur de tous les Harry Potter, sans déconner. Ok. Ok. Alors, ici, c'est juste la suite ou... Je pense que non. Je pense que c'est pas la suite. Je pense que c'est un truc qui débloque... Ouais, voilà. Touché. Non, y'a rien là. Vas-y, c'est parce qu'il faut passer par le dessus ici en fait. Hop. Voilà. Alors, la seule instance où on voit un autre élève dans les défis. Donc effectivement, d'autres élèves je ne sais pas ce qu'il fait là. Hé, Grégory, tu fais quoi là? Je crois que je me suis perdue. Arrête ça, tu veux? On se connaît. Je crois que je me suis perdue. Ouais. Mais oui, je sais pas ce qu'il fout là. La légende raconte qu'à la fin du jeu, il est toujours ici. Voilà. Nickel. Nickel. Et voilà, on peut continuer. Pour ça, on fait demi-tour. Hop. C'est une école, je rappelle, hein. C'est une école.
Dis donc, professeur, c'est sympa de nous avoir appris un sort qui fait de la lumière, mais est-ce que les trous sans fond et tout, c'était vraiment nécessaire pour nous apprendre un sort qui fait juste vraiment de la lumière Bon, je veux dire, à ce rythme-là, je préfère juste me contenter d'une lampe de poche et une pile Duracell, quoi. Hein. Rebonjour, Harry. Vous êtes rusé. Vous avez découvert l'endroit secret où je fais ma sieste. Ouais. Why not? Et ouais, toutes les bonnes choses ont une fin, on arrive déjà à la fin du défi. C'est triste. C'est triste. Non, c'est... Oui, si, c'est par là. Hop, sauvegarde. Bien sûr. Alors, là, il n'y a rien. Ça me paraît suspect. Je dirais même que ça me paraît lèche-cul. Je placerai tellement des secrets ici. Quoi, c'est tout? Il y a que ça? Bon. Eh ben, je suis déçu. Voilà. Mais ouais, sans déconner. Regardez-moi ça, là, aussi. Sans déconner. Attends, reviens, plateforme. Reviens. Avec l'ambiance un peu... c'est oppressant un petit peu quand même. C'est bon? Oui. Allez, 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 viens. Viens! Voilà, c'est bon. Maintenant, on attend. À nouveau. C'est bon. Vous avez récupéré toutes les étoiles. J'accorde donc 20 points à Gryffondor. Et maintenant, rendez-vous vite à votre cours de potions. Vous la connaissez, cette musique? Ouais. Il y a Fred et George dans le coin. Également, la zone a changé. C'est entre autres à cause de Fred et George, justement. Il faut être un peu attentif, genre ici. Harry, par ici. Hé, Harry! Tu as déjà trouvé les 25 dragées? On a besoin des dragées pour... une expérience. Bon travail, Harry. Tu as réussi à trouver toutes les dragées qu'il nous fallait. Tiens, voici une carte des sorcières et sorciers célèbres. J'espère que tu ne l'as pas déjà. Et si quelqu'un te demande, tu n'as jamais entendu dire qu'on faisait une collection de dragées. C'est notre petit secret, d'accord? Oui, Motus. Ok, voilà, ça c'est fait. Dans le cours de potion est bien sûr au cachot, donc c'est en bas. Avant, bien sûr, on va secouer un peu, genre, toutes les statues au monde. Sur le trajet. Donc ça fait pas toutes les statues du monde. Oui, je suis d'accord. Arrêtez de me couper. Et maintenant, on a un cours de potion, mais j'ai bien peur qu'on soit déjà en retard. Non. J'adore cette musique. Sous-exploité. Allô, Nora, voilà. Et ouais, tout à repop, je rappelle. Hop, 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 hop.
Hop. Voilà. Nintendo, Nintendo, allô, voilà, merci. Wouh. Plein de dragées. Ça va, avec 400, j'en ai suffisamment là, non? Cette musique est trop bien. Je m'en fous. Trop bien. Je reste dans la zone exprès pour ça, hein. Oui, vous l'aurez compris. Bon, allez, il va falloir avancer quand même. Non, je faisais un dernier tour pour vérifier, histoire de... Et là, on va pouvoir y aller? Mais... ça fait beaucoup de temps, quand même. Allez, on va voir juste le cours de potion, histoire de... Je crois qu'il n'y a rien dans celle-là, non. Y a pas un coffre aussi dans un... Si, voilà. Et quel coffre, ma pauvre Lucette. Pourquoi ma pauvre Lucette? Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser au... Oh Raymond, ouais, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Soit. Bon, bienvenue au cachot. C'est sympa comme zone. Le contraste est flagrant par contre, on va pas se mentir. Ça rend bien. Ça rend bien. Je suis le professeur Rogue. J'enseigne les cours de potions. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à préparer une potion de soins Wiggenfeld. Vous êtes en retard à votre cours de potions, monsieur Potter. C'est intolérable. Même pour une célébrité, je retire 5 points à Gryffondor. Potter, rendez-vous dans les cachots et récupérez tous les ingrédients de la potion pour la classe. Rapportez-nous de l'écorce de sorbier, du molly, du dictame et du mucus de Veracras. Et ne traînez pas en route où je retirerai des points à Gryffondor. Et maintenant, filez et ne revenez pas sans tous les ingrédients. Oui. Bonne chance, Harry. Bonne chance, Harry. Si je me souviens bien, je vous ai envoyé dans les cachots à la recherche des ingrédients de la potion. Oui, oui. J'ai l'impression que je te connais. Ah bon? Tu cherches les ingrédients pour la potion. C'est ça, oui. On peut pas s'approcher. Si, regardez comme c'est beau. Et ça n'empêche. Oh là là, ça rend bien. Ça rend bien. Bon. On va récupérer le premier ingrédient. Et puis on va s'arrêter là pour la vidéo. Hein. Donc moi, je vous souhaite une bonne soirée. Hein. Et écoutez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus. Ça doit être du dictame.